Si Pierre qui roule n'amasse pas mousse, là, est-ce que Gros qui court n'amasse pas gras? Cue intro! Hey, Daily Vlog! Breakfast is ready! Voilà, qu'est-ce qu'elle a eu sa revanche d'ailleurs. Pas la meilleure façon de se lever. Boum! Je viens de finir d'éditer le vlog de la journée de hier. Je m'en viens pas mal bon, ce site. Ça vient comme une routine. Comme je filme, j'arrête, je filme, j'arrête, je filme, j'arrête, j'édite, j'arrête, je filme, j'arrête, je me couche, j'édite. I like that. Je pensais que ça allait être vraiment tough, mais j'ai rentré dans le beat des choses, puis comme tac, 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 ça se fait, puis j'adore ça. Je sais pas ce que ça va être, mais je commence à travailler, parce que là, of course, j'aurais pas un ordinateur tout le temps prêt. Mais, I love the challenge tout de suite. Love it. Journée pluvieuse aujourd'hui dans le nord du Nouveau-Brunswick. C'est plate. Les morales sont à terre quand il mouille. Mais je vais essayer de garder le mien en haut. Là, je m'en vais chercher une carte de fête pour la fête des pères. Mais je prends ma revanche sur mon père. Parce qu'à ma dernière fête, il avait un peu choisi ma carte de fête vite. Et puis, quand ce que je l'ai ouvert, c'était une belle carte qui était marquée à mon adolescente. Et puis, c'était un beau message sur une fille qui partait de la maison et le trouble de laisser ses parents derrière. On a beaucoup ri, mais, mais c'était pas une carte de fête pour moi. Donc là, je prends ma revanche et on va voir ce que je vais y acheter. Un de mes plus gros pet peeves, c'est quelqu'un qui me mange une pomme direct à côté de la face. Déjà que j'aime pas des bruits de bouche d'avance, mais tu sais, c'est là. Not like that! Là, j'en ai une qui est pour sa première communion, puis l'autre qui est prompt rétablissement. Je pense que je vais aller avec elle. Une journée quand même assez dull aujourd'hui. J'ai toujours trouvé que quand il y a de la pluie dehors, l'humeur du monde change tellement. C'est vrai, on vit par rapport à la température, on fait nos plans par rapport à la température, on parle tout le temps de la température. Notre vie est pas mal menée par la température. S'il fait beau, on sort. Si jamais il mouille du feu, on reste en dedans. Petite pensée, j'avais de même pour la température. Juste parce que j'ai tellement rien à faire parce qu'il mouille, justement. Trop de mousse. C'était pas écrit dessus comment la mettre. Il y a beaucoup. Il n'y a rien de mieux d'être chez ses parents puis manger le manger de ta mère. Ça fait toujours un petit chaud au cœur. Là, il pleut, mais ça ne dérange pas. J'ai besoin de mon sac de golf parce que je veux commencer à jouer au golf. Posé d'être à quelque part ici dedans. Oh boy. Faut toujours localiser l'objet avant que tu vas le chercher. Mais là, je le trouve pas, fait faut vraiment que je fouille. Flip flops. Ow. Oh my god. Il est là-bas dans le fond. Au revoir, soleil! Ma mère? J'arrête de manger des frites, puis de la pizza.
peu près tout ce que je mange tout de suite là. Ouh. Aïe aïe! Douleur extrême! Oh shit! Ah! Pas bien faire mal? Là encore une fois, je me sens super mal. Mais encore une fois, je sais pas si c'est une panique ou si c'est quelque chose d'autre. Parce que c'est tellement compliqué, là. C'est la chose la plus compliquée au monde. Parce que ton cœur, autant que c'est ton temple, disons. Après un bout, comme pour moi ça a été 25 ans, mais après un bout, il dit comme « Oh, je suis curé de vivre ce vie-là comme ça, fait « Oups, je prends un autre chemin. » Puis là, ben, quand il est habitué à quelque chose, ben, oups, il décide de changer. Fait pour un bout, quand c'est des crises de panique, t'as certains symptômes, comme moi au début, j'avais les mains moites, j'avais des palpitations, j'avais des hot flashs. Puis là, un coup que ton corps s'habitue à ça, il dit « Non, je fais plus ceux-là. » Fait là, tu deviens étourdi, t'as des arrêts de cœur. T'as des jambes engourdies, puis un coup que s'habitue à ça, bon, ça va sur d'autres choses. Là, t'es frette tout le temps, là, tu claques des dents, puis là, tu t'habitues à ça, oups, ça va à autre chose. On va essayer les mains moites de nouveau, il a essayé les mains moites, oh, hein, ça rappelle plus de ça, fait qu'on va rester là-dessus pour un petit bout. Fait que c'est tout dans ta tête. Ton corps est tout contrôlé par là. Comme lui, il fait ce qu'il veut, s'en fout du reste, là. Pour lui, les émotions, ça reste là, puis ça se passe plus ici, là. Une des choses les plus dures, je pense, pour l'anxiété et les crises de panique, c'est de plus avoir le contrôle de son propre corps, de ses propres émotions. Parce que quelqu'un qui dit comme « Ah, oh, je suis triste », ok, oui, tu sens une émotion, t'es triste, mais tu peux dire « Garde, ok, je suis plus triste, ça finit là ». Mais quelqu'un qui est en train d'avoir une réaction, une crise de panique, tu peux pas dire « Ok, c'est ça finit là ». C'est ta tête qui décide quand ça finit, puis si tu laisses ta tête contrôler tout, ça peut durer des heures. Ça qui est étonnant avec ton corps qui change tout le temps de symptômes, de cycles, en ouais, ça revient, ça va, ça revient, c'est que tu peux plus t'habituer. Puis quand il y a quelque chose qui arrive, tu le sais plus là, si c'est un symptôme ou que c'est vraiment quelque chose. Comme moi, une de mes plus grandes peurs, c'est que j'ai quelque chose au cœur. Puis j'ai toujours des palpitations, des comme poupou, tout, 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 puis là, ça arrête, puis ça. Des fois, ça skip des beats. Des fois, ça fait quelque chose de bizarre que je viens faible pour un instant. Puis là, je suis alright. Puis là, je me dis, ça se peut-tu que c'est juste un symptôme ou que j'ai vraiment quelque chose? Puis là, en plus que mon... Un autre symptôme, justement, c'est que tu perds la mémoire pendant une crise. Je peux pas me rappeler de ce que je voulais dire. Non? Ultrason, bon. Là, en plus que mon ultrason du cœur... Et comme dans des mois, j'ai tous ces mois-là à me tracasser sur le fait de qu'est-ce qui se passe avec mon cœur. Puis je vais pas être correct tant que je vais pas voir la machine, mon cœur sur le moniteur, puis que la madame me dit c'est OK ou c'est pas correct. J'aimerais plus savoir qu'il serait pas correct, mais de le savoir que de pas savoir qu'il est pas correct. Je sais pas si vous comprenez. Là, tout de suite, je réalise un peu que c'est probablement une crise parce que je panique tout de suite. Je parle, blablabla, je dis n'importe quoi, je réagis, puis j'ai juste envie de rester couché, puis de relaxer, puis que ça s'en va. Mais des fois, ça s'en va pas. Tu peux crier comme tu veux, tu peux pleurer comme tu veux, tu peux te coller comme tu veux, ça s'en va pas. Puis il n'y a rien que tu peux faire, c'est la pire chose au monde. Comme là, dans une heure à peu près, je serais supposé d'aller jouer aux cartes avec la famille, puis la parenté. Mais mon réflexe, c'est de rester couché tout de suite parce que je me sens pas bien. Mais la chose à faire, ce serait de sortir, puis d'aller me mettre dans une position où je suis uneasy, puis que faire travailler ma tête autre que « Ah 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 ah, tu te sens pas bien » parce que là, c'est la seule chose que je pense à. Il y a une idée qui rentre comme « Ah, oh, il y a quelque chose à ton cœur », puis à la place de la laisser passer, elle rentre puis je la reste ici. Le truc, c'est de prendre cette idée-là, « Il y a quelque chose avec ton cœur », tu peux l'avoir dans ta tête, mais t'as la laisse sortir puis t'en rattrapes pas. T'as la laisse partir. Fait là, t'arrêtes d'y penser. Mais quand c'est une crise, c'est tellement tough. Fait là, on va voir si je prends la décision de rester couché puis de dire à ma tête, bien c'est lui qu'elle a gagné. Je suis soumis. Je reste couché puis je fais rien. Ou que je dis que mon corps va gagner, je me lève puis je vais faire autre chose d'actif pour mettre ma tête hors de contrôle. C'est
tellement compliqué. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas dans mon lit, mais dans mon auto. Donc, j'ai décidé d'y aller. Mais j'ai quand même fait une erreur. Je me suis laissé une porte de sortie. Parce que j'ai pas été avec mes parents, j'ai été avec mon auto. Donc, ce qui me permet de, anytime dans la soirée, si je suis pas confortable, de partir. Mais j'aurais dû aller avec mes parents. Comme ça, même si j'ai quelque chose là, je peux pas m'en aller, il faut que je le contrôle moi-même. Parce que là, avec mon auto, je sais que dès que j'ai quelque chose, je m'en vais dans mon lit me coucher et me sentir mal. Désolé si j'en décourage quelques-uns. My God, je feel comme si c'est une vidéo deep aujourd'hui. Je m'excuse. Quelqu'un m'a envoyé un message tantôt, puis elle me disait « Tu te mets à nu, puis j'adore ça. » Fait que ça permet de voir vraiment comme la personnalité de quelqu'un quand ce qu'il y a personne d'autre devant lui. Mais ça me dérange pas d'être deep devant vous autres ou donner mes feelings ou pleurer ou whatever ou rire. Ou... Parce que je le fais pour vous, oui, mais oubliez pas que je le fais pour moi. Pour voir ça dans un an, puis faire comme « Ah, my God, ça allait pas bien dans ce temps-là, mais regarde maintenant, top sourire. » On est bien en Valmont. Hein? On est bien en Valmont. Alors, tu fais des rangs. Ouais. Okay. Aldéo puis Valmont. Aldéo puis Valmont, ils sont chez toi. Moi, je suis chez toi, à part de ça. Puis Danny qui peut avoir lui. Ok. David, puis je vais Moi. C'est mon téléphone préféré au monde. Jaune moutarde. Et avec des rilles. Depuis que je suis jeune, que je viens ici, puis je m'amuse avec ce téléphone-là. La maison de mon oncle et ma tante, c'est comme une grosse vieille maison, comme de riche. J'adore toujours venir dans la cave parce qu'il y a tellement de choses. Puis de bardasses, puis de livres. Je suis maintenant de retour et je me suis surpris moi-même parce que ça a été très bien. Mais la chose qui... Mais la chose qui reste à voir, c'est comment je vais me sentir demain puis comment est-ce que je vais évoluer de ce qui s'est passé aujourd'hui. Si je vais le laisser passer ou que ça va me rester dans la tête. Il est maintenant presque minuit, donc la journée s'arrête ici. Ça va être tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si vous voulez liker, likez si vous avez apprécié. Et si vous voulez en voir plus, subscribez. Et une dernière chose à vous dire, à demain.